C'est peut-être là-bas. On peut se jeter. Bienvenue dans un des salons de l'hospice du Simplon et on fait un petit débriefing de cette semaine de ski de randonnée et j'aimerais avoir votre avis déjà sur l'endroit, l'hospice du Simplon comme lieu d'hébergement et pour l'instant les 4 premiers jours du stage, ce que vous avez pensé des montagnes aux alentours. Oui, puis ils sont vraiment, enfin moi je trouve au niveau des repas, des pique-niques, ils sont plein d'attention, plein de... Voilà, aux petits soins, enfin, moi je trouve que c'est simple, mais c'est agréable. Et puis bon, on est au cœur des montagnes, c'est entouré. Et puis on part quasiment tout le temps directement, quoi, sans prendre la voiture. Enfin, À ski, c'est vrai. Moi je trouve ça génial, quoi. À part aujourd'hui, on a fait quoi, 3 minutes de voiture Mais je trouve que c'est génial de pouvoir partir directement de là, quoi. La seule chose qui manquerait, j'ai envie de dire, c'est l'espace pour s'installer dehors si on a envie de se poser après le ski dehors. Ouais. Dedans, c'est magnifique, c'est spacieux, il y a vraiment du confort. D'accord. Mais il manque la chaise dehors. D'accord. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec les refuges, que l'on connaît d'habitude, même pour faire un sommet minute de course à partir du même refuge. Ou des fois, sur l'itinérant, comme ça, d'aller de refuge en refuge. Si on fait le parallèle, et carrément l'hôtellerie, ou en fond de vallée, où là, c'est le très grand confort, c'est un compromis des deux qui permet quand même, dans le grand confort, sous une approche un peu refuge par endroit, par rapport à l'aménagement des chambres, mais je dirais quand même luxueux, c'est quand même pas le... C'est confortable. Voilà, c'est très confortable. Mais voilà, ça permet de partir de ce centre-là en étoile. Et puis sinon... Oui, je voulais dire que l'hospice Simplon, il est à 2000 mètres d'altitude et c'est pour ça aussi qu'on peut partir à ski depuis l'hospice parce que les courses démarrent, l'environnement et les jeux tout l'hiver. Donc pour parler de la semaine, c'est identique, je dirais, aux semaines qu'on a pu vivre ensemble depuis... les 7 dernières années, à savoir qu'on a affaire à un stage qui est à mon sens très équilibré en termes de difficultés, très varié. Et surtout, on ressent vraiment
une approche sécuritaire très, très importante. Et ça, ça, on en parlait tout à l'heure, ça nous rassure. Ça nous permet effectivement de vivre un moment pleinement, hein, surtout pour des gens qui, comme moi, sont totalement déconnectés de la montagne toute l'année. Alors moi, j'ai bien aimé aussi le fait de pouvoir avoir des sorties variées. Il y en a une que j'ai préférée, bien évidemment, que les autres, c'était le Breitkamp. D'abord parce que le paysage était magnifique, on est parti sur une journée en plus splendide, il faisait grand beau. Et puis c'était un challenge, je crois, pour toute l'équipe d'ailleurs, de pouvoir faire ce sommet, parce que bah, c'est le sommet mythique du Simplon. Pas confondre avec le Breitkamp, n'est-ce pas? Donc je suis ravie d'avoir fait ce sommet-là. Après les autres, je trouve que la difficulté est moindre, dans la mesure où les pentes sont beaucoup plus douces. Donc c'est à la portée de tout le monde en fait. Ici, le cadre est très bien, parce que n'importe qui peut venir ici et faire pas plaisir. Donc, voilà. Je n'ai pas pu faire tous les sommets. Et par contre, tout ce que j'ai pu faire, bah, ils étaient très agréables. Ils nous permettaient forcément de pouvoir s'adapter chaque jour bah, aux conditions de neige, aux conditions de pente, aux conditions météorologiques. Et puis bah, d'offrir des points de vue toujours différents avec bah, de temps en temps... en point de mire l'hospice qui nous accueille, mais à chaque fois sur d'autres sommets plus loin et autres, voilà, c'est ce que j'ai bien aimé. Et puis toujours cette approche sécuritaire, pas par l'unique présence de François qui nous encadre et qui en tant que guide est là pour améliorer notre confort, mais surtout pour nous apporter également ses propres connaissances pour gérer la sécurité en montagne. Et ça nous rassure également, à titre personnel, de comprendre ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et pourquoi, parfois, ben, il faut savoir aussi peut-être renoncer à certaines choses, parce que ben, un groupe qui part en montagne doit être aussi un groupe qui doit être homogène et qui doit aussi se constituer avant son départ. Voilà. Donc j'aurais appris, au moins de cette semaine, sans faire tous les sommets, avoir aussi cette approche-là de la gestion du groupe, et de pouvoir, à un moment ou à un autre, avoir cette notion globale d'une équipe qui part en montagne, qui part complète ou pas complète, simplement pour que chacun puisse se responsabiliser par rapport à l'environnement et puis bah, à ce qu'il peut faire courir aux autres comme inconvénient pendant la course. Voilà, ce sera aussi cette, pour la première fois de tous les stages que j'ai pu faire, ou les séjours que j'ai pu faire en montagne, ce sera la première fois qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé, et voilà, et qui me permet aussi de prendre du recul et cette humilité qu'il faut peut-être avoir, et la gestion du groupe est telle que a pu être abordée par François. Moi j'ai bien aimé tous les sommets, mais même le premier jour, il faisait pas super beau, mais voilà, c'était chouette, ça y est, on était en montagne, ma foi, bah, on a pu quand même profiter d'une petite sortie. C'est ça, je pense, qui est super ici, c'est qu'il y a plein de sommets, des hauts, des moins hauts, et que ça permet de s'adapter voilà, aux conditions de neige, aux conditions météo. D'ailleurs, justement, il y avait un programme qui était établi, un peu progressif, avec le Breitkamp en dernier jour. Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pu voilà, s'adapter, et puis du coup, bah, faire sommet par les meilleures conditions possibles. Alors forcément c'était un peu le point d'orgue la semaine parce que c'était le plus haut, le plus long, c'était un petit défi parce que en termes de dénivelé, moi j'avais jamais fait aussi long. Bon, ça s'est bien passé, hein, c'était voilà. Et puis en plus alors on a eu une poudreuse d'enfer, quoi. Voilà. Les autres sorties, ben, on a eu de la neige de printemps, on a eu de la neige dure, on a eu des paysages variés, des pentes un peu plus raides, un peu moins raides, un petit peu de forêt, voilà. Enfin moi j'ai bien aimé. Mais j'ai bien aimé qu'on puisse adapter le programme en fonction du groupe, en fonction de la météo, en fonction de plein de choses, quoi. Donc ça, c'est, pour moi c'était génial, quoi. Alors du coup, on a fait le Breitkamp du coup en milieu de semaine. En milieu, on a un peu modifié le programme parce que au vu de la météo prévue pour le dernier jour, et ben ça c'est quelque chose qui aurait été compromis, qui n'était pas du tout envisageable. Donc du coup, on l'a fait le jour qui paraissait le meilleur au niveau météo. Donc j'ai bien aimé aussi au cours de la semaine de pouvoir faire des recherches de victimes d'avalanche.
à deux reprises parce que en fait l'exercice n'est pas quelque chose de forcément bien enchaîné. Et le fait de comprendre pourquoi les gestes et les répartitions des rôles est essentiel fait qu'on est plus efficace. Et... Moi, ce que j'ai bien aimé aussi au cours de ce stage, c'est que, alors certes, on est avec François, c'est le guide, mais on ne se contente pas de le suivre, quoi. Moi, j'aime bien qu'il puisse nous expliquer aussi pourquoi plus passer là, alors que ce soit la montée en termes de sécurité, etc., qu'à la descente, quoi, pour rechercher la meilleure neige dans telle pente ou telle contre-pente, etc. Et je trouve ça génial qu'on ne se contente pas de suivre aveuglément. Donc il y a cette recherche-là qui nous permet aussi de quand on sort tout seul aussi, ça arrive, de comprendre un peu ce qu'on fait et puis de ne pas suivre aveuglément comme ça à la queue. Donc je trouve ça pédagogique et ça... C'est un plus. Voilà. Là, je voudrais rajouter un point effectivement sur le rapport relation personnelle entre le guide et le stagiaire. Et c'est vrai que j'ai découvert le ski de rando relativement tard. Et cette approche sécuritaire était très importante pour moi. J'ai eu d'autres expériences par le passé, après mon stage d'initiation, notamment dans d'autres conditions avec d'autres guides, des moins jeunes, et des gens expérimentés, et c'est vrai que leur approche sécuritaire ne m'a jamais convenu aussi bien que ce que j'ai pu vivre avec François, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je continue à faire du ski de rando, parce que c'est une de mes priorités, effectivement, d'avoir des stages qui sont évidemment pas totalement sécurisés, puisqu'on est en montagne, mais qui donnent confiance.